Bien le bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo en fait. Donc pour vous représenter ma voiture, première voiture. Alors cette vidéo, je vous le dis tout de suite, est une présentation, mais en fait c'est pour cacher une demande de conseil qui sera à la fin. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, je vais vous la présenter. Ça pourrait peut-être en intéresser quelques-uns, je vais vous donner tous les petits détails que j'ai eus. Alors je me permets de vous montrer la plaque d'immatriculation parce que en fait elle va changer. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc c'est une 307 de 2006. Elle a appartenu à deux propriétaires actuellement. Je suis le troisième. De loin, de très loin, on va dire qu'elle est en plutôt bon état. Donc cette voiture, je l'ai vue à 3 500 € sur le bon coin. J'ai du coup, elle était à un garage, je l'ai acheté à 3 000 €, parce qu'il y avait des petits défauts carrosserie comme le côté droit. Donc là, on voit très bien que ici, je suis désolé, la voiture elle est pas propre, mais ici ça a été mangé. Là, la peinture s'écaille, enfin bref, on voit bien que la carrosserie a un peu été touchée. Voilà, là ici il y a un gros défaut ici. Bon, après voilà, c'est une voiture que j'ai payé 3 000 € et qui pour 3 000 € ne me paraît pas excessif du tout. Donc c'est une 2 litres essence finition sport, attention messieurs et mesdames. C'est une finition sport. C'est une finition sport. Elle fait 141 chevaux je crois. Hein. Voilà. Donc on voit bien que la peinture est loin d'être toute neuve. Elle a pris quelques coups. Elle a 150 000 km la voiture. Ce qui fait que voilà, pour 3 500 €, 150 000 km, je trouve pas ça énorme. Elle est vraiment saine. Je vous emmènerai faire un tour après. On entend des petits clics-clics sur le moteur, mais je sais pas trop ce que c'est. La voiture a été révisée pas mal de fois. Il y a pas mal de factures à l'appui, donc c'est pour ça que je me suis lancé dedans. Il y a plein de choses qui ont été changées, c'est impressionnant. J'ai acheté cette voiture pas pour l'extérieur, parce que bon, voilà, vous l'avez vu, elle est pas exceptionnelle malgré qu'elle soit. Bon, moi je trouve ça moche. Hein. Honnêtement, à la base, je voulais pas acheter ça du tout, hein, on se demande pas. Du coup, j'ai acheté ça. Donc, j'ai eu deux surprises, deux très bonnes surprises. La première, c'est que je ne savais pas, j'ai regardé les factures. Le vendeur n'était même pas au courant, non, parce que c'était un garage, il avait dû l'acheter 3000 balles et il devait vouloir vite s'en séparer. Pas 3000 balles, sinon il ne me l'aurait pas vendu, on entend bien. Mais... Donc voilà, il y a le rétroviseur qui est cassé. Mais elle est à l'éthanol, elle a une conversion à l'éthanol. Alors je ne sais pas si elle a été remise à zéro ou pas, parce qu'elle a été faite en 2018. Donc je vous ferai le test, je vous tiendrai informé en vidéo si ça vous intéresse. De comment savoir si en fait on a une voiture à l'éthanol et qu'elle n'est plus à l'éthanol ou si elle a été remise à zéro, je vais vous expliquer ça. Bon, ouais. Du coup voilà, la voiture est très saine, elle a tous ses chevaux, je mens un peu en disant qu'elle a tous ses chevaux. Ça a subi 150 000 km, mais après vu que c'est un atmosphérique, ça ne bouge pas énormément. Je dirais qu'on doit être à 235, 230 au lieu de 241 annoncé. Et là, vu que ça doit être une première version, elle devait sortir à 238, une merde comme ça, je pense. Donc voilà, on a dû perdre 5-6 chevaux dans la bataille, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Donc voilà, ça c'est l'intérieur, intérieur cuir. Alors le cuir est très très bon, honnêtement, je vais pas vous le cacher que pour 150 000 km, le cuir est très très bon. Bon, il est un peu craquelé, il est un peu décoloré ici, mais il faudrait que je le refasse. J'ai les sièges chauffants. Alors voilà, donc premier point négatif de cette voiture, les sièges chauffants, je ne comprends pas pourquoi, ils ne marchent pas. Donc là, ils marchent, il y a une petite lumière, mais ils ne chauffent pas. Alors c'est un peu embêtant. Pareil, j'ai reçu cette voiture. Enfin, j'ai acheté cette voiture, il n'y avait pas les tapis, j'ai dû en racheter. Sinon, très beau seuil de porte en alu, qu'il n'y a pas sur certaines voitures bas de gamme. Bon, les je sais pas si vous voyez bien, mais les plastiques qui sont un peu moussés d'ailleurs. J'allais dire c'est très agréable, mais non, enfin, on s'en fout, on est sur une voiture à 3000 balles, voilà. Qui a blanchi, on le voit très bien, il a bien blanchi comme il faut, voilà. Donc cela dit, les sièges sont d'un confort qui est exceptionnel. Le moteur,
Il est très bien, il est très bien. Il monte très bien en régime. Il fait pas de bruit quand on est à très petite vitesse. Il fait pas trop de bruit, ça va. Mais quand on monte dans les autos, dans les tours, il fait vite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Donc voilà, la voiture est chaude, hein. C'est juste le compte tour là, le compte température qui merde. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça devrait s'afficher 90 et écrit 70. Bon, voilà. Ça, c'est pareil. Ça merde un peu. Il va falloir que je le répare et je sais pas comment faire. Et ça vient donc au sujet principal de cette vidéo. Pourquoi je vous contacte. Enfin, je vous contacte. Voilà. C'est parce que j'ai 2-3 petits problèmes que j'aimerais régler. J'en ai réglé déjà un. C'est au niveau de l'audio. Alors, c'est semi-réglé. En fait, cette voiture a un audio qui est, ma foi, très bon. Mais les deux haut-parleurs arrière sont en fait cassés, je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai démonté la portière. Ça se voit parce que j'ai un peu cassé là, ici. Et j'ai débranché les haut-parleurs parce qu'ils faisaient comme des baffles. C'était horrible. Et j'hésite à les changer. Et j'aimerais savoir si quelqu'un, si vous voyez la vidéo, vous pouvez me dire si vous avez des haut-parleurs. Je ne vais pas acheter les mêmes parce qu'ils vont casser, mais ça ne sert à rien. Si vous avez des haut-parleurs de la marque Pioneer ou une marque comme ça, qui seraient de la même taille et qui sont de bonne qualité pour pouvoir recevoir les basses. Donc, vous voyez quand même, les cuirs sont impeccables. L'espace est assez satisfaisant. Par contre, honnêtement, je fais 1m85, je ne rentre pas à l'arrière. C'est un peu dommage. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Le pot d'échappement fait un bruit de malade et je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai un roulement aussi qui fait un bruit de malade et je sais pas ce que c'est. Quand on dépasse les 110, c'est infernal. Donc voilà, ça c'est le coffre arrière qui est très très plaisant. Mais après, bon voilà, c'est une 307, on s'en fout. Hein. Et du coup, voilà. Sinon, quel problème j'ai avec cette voiture dont je voulais vous parler. Oui, voilà. Donc je vais m'asseoir côté passager. Je voulais vous demander si vous aviez une solution pour ça. Est-ce que j'en rachète un hein? Parce qu'en fait, là, il marche très bien, mais à des moments, il s'éteint totalement. Et ça ne dépend pas du tout du bouton d'arque. Voilà. Donc, après, bon, j'ai mis quelques accessoires dans cette voiture. Parce qu'il le faut. C'est ça, je ne sais pas si vous connaissez. Je vous mettrai le lien en description. C'est un tune. En fait, ça permet de recevoir le Bluetooth de votre téléphone. Et vous avez ces trois petits boutons-là pour contrôler la musique et les appels. Et ça envoie une station, enfin une onde, que la voiture récepte. Donc là, je suis en station, je sais pas si on peut voir, mode. Bon. Honnêtement, je connais pas trop le poste, comment ça marche. J'ai juste mis la station. Si, je peux faire comme ça à la limite. Il a dû changer de station, là, si je me trompe pas. Voilà. Donc là, si j'appuie sur 1, il va se mettre en 107.9, qui est la même truc que ici. Et c'est tout ce qu'il me fallait, c'était parfait. Voilà. Donc j'ai mis quelques accessoires. Donc celui-ci, je vous mettrai le lien dans la description. Le 2A est exceptionnel. J'ai mis un câble, bien évidemment. Câble qui est génial, en fait. Tressé et tout. Et il ne cache jamais. J'ai le même depuis des milliards d'années et tout. Il fait 2 mètres, c'est vraiment bien. Et un petit porte-téléphone. Ça, c'est l'ancienne propriétaire qui a mis ça. Alors, elle l'a scotché, c'est dégueulasse. Je pense que d'ailleurs, je vais l'enlever avec vous parce que c'est inadmissible d'avoir fait ça en fait. Il va falloir que je. Oh merde! Il y a le truc qui sort. Mais c'est un bouton, c'est quoi? Bon, écoutez, je vais avoir ça qui traîne. Bon, je le remettrai, je le nettoierai. Ah ouais, mais alors là, je sais pas. Ah, donc là, on a accès à tous les boutons de la console centrale entière. Du coup, j'ai ça qui a été scotché visiblement avec des doubles faces, qui est extrêmement merdique, qui ne tient pas du tout mon téléphone. C'est normal, hein, c'est parce que j'ai un iPhone en vert. Donc forcément, ça ne peut pas marcher, j'ai un iPhone 8. Donc je vais le foutre dans la boîte à gants. Voilà. C'est pareil, hein, les sièges chauffants ne marchent pas côté passager. Si vous avez une solution à ce problème, je ne suis pas contre du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. Et ainsi que pareil, c'est pour le contour température, si vous savez de quoi ça venait. Enfin, pas le contour, on s'en fout, mais le compte température, là, le thermomètre. Parce que là, il monte à 90, c'est absolument pas normal. Et il va passer en surchauffe dans pas longtemps. Et le radiateur va se mettre en route.
Voilà, mais après j'ai le toit ouvrant, donc ça c'est vraiment bien. Je vais dévisser l'antenne parce que ça ne sert à rien vu que j'en ai déjà une à l'intérieur de la voiture. Puis après, voilà, ça freine bien, c'est sécure, hein, faut pas se leurrer, hein, c'est pas une voiture de course. Malgré la finition sport, attention, j'ai pas tout ce qui est xénon. Par contre, j'ai l'image des feux automatiques que je découvre, c'est absolument génial. Enfin, bien entendu, c'est ma première voiture, du coup, voilà, hein, y a mieux, y a moins bien, on s'en fout, on n'est pas là pour juger. Et bien évidemment, j'ai mis un petit truc là pour faire sentir bon, parce qu'elle sentait le mort en fait quand je l'ai récupéré. Sinon, voilà, plein de petits détails comme ça que j'adore. C'est absolument génial. C'était pour mettre des cendriers, apparemment il a été utilisé. Et franchement, bon voilà. L'allume-cigare, j'ai. Chose géniale, j'ai un allume-cigare dans le coffre que je n'ai pas de sur la voiture de mes parents. C'est vraiment bien. Bon après, j'ai subi le poids des années, hein, niveau carrosserie. Hein. Chez l'ancien propriétaire, on n'a vraiment pas pris soin. Donc voilà, si vous avez des solutions... Ah oui, j'ai le volant aussi qui est un peu morflé. Hein, mais ça, je sais pas si je mets une coque. Vous savez, pas les coques, mais les trucs un peu Jackie Tuning. Merde, mais dégage. Un peu Jackie Tuning. Un peu Jackie Tuning qui cache cette misère et qui protège mes petites mains douces. Ou si je fais changer le volant, mais ça me ferait chier de mettre des ronds dans cette voiture. Surtout que c'est une voiture économique à la base. Putain, ça a vraiment été fait comme un chien, ça. Oh là là, honteux. Donc voilà, ça j'en suis. Voilà. Sinon, que vous dire de plus sur cette voiture? Non, pas grand chose. J'ai la tâche remorque qui a été mise avec, mais j'ai pas la boule, donc c'est un peu con. Enfin bref. Voilà. C'est ma voiture. J'espère que vous pourrez répondre à mes questions. Je vais faire ça bien quand même, parce qu'en fait je regarde pas la caméra de mon téléphone, je suis un peu intubé. On va se mettre un petit profil trois quarts arrière. Je vous reprends pour vous dire deux choses. Oui, parce que j'ai fini la vidéo, vu que je l'ai tiré en one shot. Si vous voulez une vidéo pour l'éthanol et pour les basses, que je vais changer du coup, si vous me donnez des conseils, je vous la ferai, avec grand plaisir. C'est vraiment pas très compliqué, et si vous voulez essayer, ça me ferait plaisir. Ah oui, je peux vous raconter une petite histoire en plus. Troisième jour que j'ai cette voiture, pas aujourd'hui, hein, ça va faire quelques semaines maintenant. Donc j'ai coincé, j'ai bloqué la pédale d'embrayage et elle ne voulait plus remonter, donc j'ai pris un peu peur. Pareil pour la pédale d'accélérateur. J'espère que ça ne m'arrivera pas avec les freins. Si vous avez ce genre de problème, déjà, éteignez le moteur directement et freinez. En fait, vous faites gaffe, vous regardez bien dans votre rétro, qu'il n'y a personne, et vous freinez vous freinez, parce qu'en fait... Si la voiture, elle va, quand l'accélérateur est bloqué, elle va monter en vitesse. Bien évidemment, là, il n'y a que le contour qui monte parce que je suis au point mort. Et quand vous avez l'embrayage, point mort, direct. Pareil que pour l'accélérateur, d'ailleurs, hein, point mort. Et vous éteignez le moteur. Et vous arrêtez, vous mettez en warning et vous essayez de débloquer la pédale. Et vous appuyez pas la pédale à fond, surtout pour le reste du trajet. Faites bien gaffe à vous. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Au revoir. Hop là, je vous reprends pour la suite de la vidéo. Donc vidéo en conduite. Je suis sur un parking. Hein. Je vais bien évidemment pas faire ça sur la route, sachant que je n'ai rien, absolument rien pour tenir ma caméra. C'est totalement inutile. Enfin, c'est pas totalement inutile, mais genre... c'est totalement idiot, c'est ce que je veux dire. Donc, ce que je vous propose, c'est... Je suis sur gravier, c'est vraiment une route de merde, mais c'est d'accélérer un peu pour voir le bruit que ça fait en fait. Oh bah putain, ça patine. J'ai pas d'anti-patinage sur cette voiture. Enfin, je crois pas l'avoir senti. Voilà. Bah, j'ai passé qu'une première, hein, bien entendu. En première, cette voiture va jusqu'à 50-60 km/h. Et en seconde, cette voiture monte jusqu'à 110, ce qui est assez impressionnant. J'ai la boîte 5, ce qui fait que
j'ai la boîte 5, ce qui fait que du coup je consomme beaucoup, même énormément sur l'autoroute. Sur la 130, je crois, je dois tomber à 15, 12, 13 litres au 100, ce qui est assez abominable en fait, vu que j'ai que 5 vitesses. Et la voiture, je crois, peut monter à 200 si je me trompe pas. J'ai jamais testé, honnêtement, j'ai pas fait les 200 avec la voiture. Ça sert à rien. Je me suis arrêté qu'à 150 sur autoroute allemande, bien entendu. et puis voilà. Bon. Le réservoir, pour info, fait je crois 60 litres, ce qui est vraiment bien. C'est vraiment généreux. Il n'y a plus beaucoup de voitures aujourd'hui qui ont des réservoirs aussi grands, à part Mercedes, BMW et tout ça. Et encore, avec la tendance de l'hybridation, ils réduisent la taille des réservoirs au maximum, hein, ce qui est normal. Et les moteurs consomment moins aussi aujourd'hui. Celui-ci, il consomme beaucoup, hein, j'ai la consommation là. Après, je l'ai reset il n'y a pas très longtemps. Je vais pas vous cacher. Attendez. Ah ouais, je mets la jambe en première. Voilà. Donc, 11 litres au 100. Pour faire 200, il me reste, non, je crois que j'ai fait 264 km à une vitesse de 35 km/h en moyenne. Bon, après, j'étais beaucoup arrêté et tout, donc 11 litres au 100, c'est normal. J'ai fait beaucoup de la conduite sportive, enfin sportive, j'étais haut dans les tours, quoi. On va pas se leurrer. Le bruit est assez plaisant, c'est un bruit de rallye. Je pourrais pas vous le faire écouter vraiment parce que déjà il monte très très haut et du coup c'est assez compliqué en fait, mine de rien c'est assez compliqué puisque il faut mes deux mains pour conduire. Je ne sais pas encore conduire à une main, je ne suis qu'un jeune permis. Ah, le permis que j'ai depuis bientôt maintenant un an, hein. Mais cette voiture je ne l'ai pas depuis un an, je conduisais sur la voiture de mes parents, qui fera peut-être l'occasion d'une vidéo si vous la demandez, si ça vous intéresse, s'il y a des vues déjà, parce que en vrai on s'en fout, hein. Moi je veux juste des conseils pour réparer ma voiture, hein. je suis pas là pour autre chose. Donc voilà. Donc petite vidéo, enfin qui suit toutes les vidéos, donc celle qui doit être en conduisant. J'avais dit que je pensais pas faire de vidéo avec le son de la voiture, mais après accélération, je dois avouer que en fait j'ai bien kiffé, je kiffe bien ce bruit, hein, pour un petit 2 litres essence, sans turbo. Donc très haut dans les tours, je me suis dit il faut que je vous le montre en fait. Du coup vous n'aurez pas de vue spéciale puisque comme je vous ai dit c'est trop dangereux de conduire à une main avec le téléphone à la main, que je ne souhaite pas faire, et donc pas mettre en danger ma vie et la vie d'autrui. Petite Tesla d'ailleurs que vous ne verrez pas, je vous remarque. Je vais donc faire un second, donc du régime moteur le plus bas que je puisse atteindre. Je suis à 1500 tours minute à 25 km/h. Je vais accélérer plein pot quand la voie sera totalement libre, 25 km/h, et je vais vous dire jusqu'à le monde. Et je vous laisserai apprécier le bruit, je passerai peut-être une troisième, mais c'est pas sûr. Donc 70, 80, hop là il y a un virage, 90, on est monté. On était à 70. 6000 tours minute, excusez-moi, c'est écrit 60, donc j'ai. Ouais. C'est très bien, c'est très agréable. Rien à dire. Le moteur s'essouffle quand même assez rapidement à 5000 tours minute. Hein. 5005, on est vraiment. On est quand même au bord de l'asphyxie. En seconde, parce qu'en troisième, j'ai l'impression qu'il ne s'essouffle plus. Je sais pas si c'est parce qu'il y a le couple qui entretient la vitesse, mais en seconde, on sent qu'il y a vraiment moins de puissance après avoir dépassé 55. Et là, en descente, vu qu'il y avait besoin de moins de couple, forcément. Forcément que j'ai envie de vous. Je pense, hein, c'est une question de pensée, une question d'avis, d'opinion, la voiture du coup perd plus son souffle, il peut monter beaucoup plus. Et du coup je suis monté je crois à 6000, 7000. Dommage que je puisse pas vous filmer autre chose que mon pauvre bouton warning. La voiture, j'ai oublié de vous dire, tire vachement en droite. Hein. Putain, c'est un truc de fou. La voiture, le parallélisme. Dit qu'ils avaient fait un parallélisme. Putain, je rêve. Ils ont fait un parallélisme à moitié.
Ah, mais c'est bien comme ça, vous pouvez avoir un minimum de vue, la consommation en temps réel. C'est génial. Ce que je vais vous faire, c'est que du coup, je vais ralentir. Je sais pas si vous m'entendez, en fait. C'est peut-être con ce que je fais. On verra. Voilà. Donc, je me remets à... Là, je suis un peu en descente. J'accélère. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 6000 tours minute à 90. Je peux aller jusqu'à 7000, mais t'as envie de taper un petit hauteur, ça sert à rien. Même pousser encore, hein. En descente, ça pousse encore un petit peu. Pas énormément, hein, mais... voilà, je regarde pas trop la consommation, je me fais assez plaisir. Donc je vais la passer à l'éthanol, hein, du coup je vous explique comment faire. Et je suis vraiment sincèrement désolé de ne pas pouvoir vous montrer plus que ça. Après on est juste là pour kiffer la musique, donc je vais vous laisser kiffer. Hein, ouais. Surtout qu'il y a des petites routes sympathiques. La range du moteur, c'est vraiment de 4000 à 6000. Hein. Il n'y a pas grand chose en dessous, il n'y a pas grand chose au-dessus. C'est suffisant pour de la conduite non sportive, mais quand on veut appuyer sur le champignon, si on ne se retrouve pas là, dans les 2 minutes en minute, qui sont assez géniaux d'ailleurs à écouter. Hein. La conduite sportive, il faut oublier quand on n'est pas dans cette range-là. Aurait vraiment été approprié à une boîte inversée, vous savez, celle qui fait 2-3 en ligne et 3-4 en... non pas 3-4 en ligne, ouais, une boîte inversée quoi, si 3-4 en ligne, non je suis con, 4-5 en ligne et la 2-3 c'est pareil, quand on veut s'amuser un peu c'est con d'avoir une boîte à 5 vitesses et du coup pas les avoir en inversé quoi, parce que la grille inversée, putain, là c'est du régal. Là je vous le dis mes amis, c'est du régal. S'il y a des gens qui écoutent cette vidéo, ça sent beaucoup moins puisque la voiture accélère déjà moins en fait. Normal hein. C'est vrai que ce bruit est plaisant hein. Hein, ça tremble un peu dans l'habitacle. Ça tremble un peu dans l'habitacle, s'il y a un peu de dommage. Les freins font un peu de bruit. Ah oui, voilà, je voulais vous demander. Est-ce que ça peut être les agrafes des freins qui font revenir le tampon, mais je sais plus comment ça s'appelle, la plaquette en arrière qui peuvent être un peu vieux et qui du coup font que ça grince comme ça. Quand j'attaque les freins, parce que quand j'attaque les freins, ça fait pas ce bruit. De crissement, c'est vraiment quand j'arrive sur les freins. Je saurais pas vous dire. Autrement, les freins font pas de bruit. À part ce petit problème de crincement quand je fous.
Je sais pas. Faudra que vous me disiez si vous savez, si jamais vous savez. C'est très bien, il y a des bruits de plastique. Mais bon, on s'en fout, c'est du Peugeot, j'ai acheté 3000 balles, de toute façon, je ne veux pas plus. Faut pas se rien, de toute façon, il y a un moment, on a que ce qu'on achète. Je vais pas vous mentir que, voilà, si j'avais mis plus d'argent, que je n'ai pas, hein, j'ai malheureusement pas la possibilité de m'acheter de meilleures voitures. Qui est. Mais pour 3000 balles, je pense qu'une 307, c'est vraiment raisonnable. Ah oui, je voulais vous expliquer aussi. Je suis désolé de ne pas le faire en facecam, ça. Enfin, pas en facecam, parce que je ne montrerai pas ma tête. Même s'il va y avoir un putain de reflet qui va me montrer ma tête. J'en ai un peu rien à foutre. C'est juste que je veux pas être le centre de l'objet de la vidéo. Parce que, ouais, on s'en fout un peu de ma tête, ma vie, j'en ai rien à foutre. Je veux juste vous montrer ma voiture, c'est tout. Et que vous m'aidiez à réparer ces putains de problèmes qu'il y a dessus. Voilà. Pourquoi j'ai pris une 307? Putain, c'est dommage. Je vous expliquerai plus tard. J'ai pris une 307 du coup. J'ai pris une 307 pour la simple et bonne raison que c'était une voiture accessible, déjà de une. Parce que j'aurais pu me payer une CLK hein, pour 3000 euros. Elle aurait certes eu beaucoup plus de bornes, genre 250 000. Après, on s'en fout, c'est une CLK. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Putain de Mercedes, c'est génial. Elle aurait été plus confortable, elle aurait été de meilleure qualité sans doute. Après, le problème, c'est que il me fallait une année. Une année très précise pour vous dire. Il fallait qu'elle soit au moins supérieure à 2006. Parce que j'ai vu un truc qui m'a assez surpris et fait chier en même temps. C'est que du coup, toutes voitures qui sont en dessous de 2006 sont considérées comme voitures polluantes parce qu'elles sont en critère 3. Et les critères 3, genre dans 3-4 ans, elles pourront plus rouler en ville. Je trouve ça totalement con parce qu'en fait, une voiture devrait pas être. Sa pollution devrait pas être basée sur son année. Parce que vous savez, il y a des normes Euro 4, Euro 5, Euro 6. Si celle-ci est Euro 4, toutes les voitures Euro 4 sont minimum de 2006. Pour les voitures essence, parce que pour les voitures diesel, c'est pas pareil. Sont minimum de 2006. Et sont classés critère 2. À critère 2, on peut encore rouler en ville. Mais après critère 2, on ne peut plus rouler en ville. Ah merde, il pleut. Mais après critère 2, on ne peut plus rouler en ville. Ce qui est un peu con. Enfin, on ne pourra plus, pour l'instant, c'est pas acté encore. Ce qui est un peu con, je vais pas vous le cacher, puisque. En fait, une voiture. Je vous prends une Lamborghini. Bon, personne, enfin, pas assez de gens ont des Lamborghini pour polluer autant que la production de voitures avant 2006. Mais si vous prenez une Lamborghini, elle va consommer bien plus qu'une pauvre 406 d'avant 2006. Vous êtes bien d'accord? C'est bon, il y a 12 putains de cylindres à l'intérieur, enfin, dans une Aventador. Il y a 12 putains de cylindres. Et la cylindrée, je crois, elle fait 6 litres 7 au total. Bien. Ah, c'est ça, putain, ça fait des essuie-glaces, ça marche pas très bien. Donc, c'est normal que ça pollue pas autant. Puisque, bah, déjà, elle fait 6 litres 7 la cylindrée.
d'une Lamborghini et d'une pauvre 406, si elle fait encore. Si elle fait 2 litres, on est pas mal quoi. Et d'ailleurs, je crois que c'est la même. Bah, ça doit être la même cylindrée. Hein. Ça doit être la même cylindrée que celle-ci, je pense, parce qu'on ne peut pas changer les moteurs. Bon, voilà. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi cette voiture. Parce qu'elle est critère Euro 4. Et que c'est une voiture d'un, du coup, d'après 2006. C'est vraiment 2006. À 2006, vous êtes bon. Avant 2006, vous êtes pas bon. Alors, pendant que j'y pense, je pourrais pas vous donner la monte des pneus. Déjà parce que ça sert à rien, parce que voilà. Je sais pas ce que c'est de deux. Et de trois, je sais qu'à l'avant, c'est des pneus Michelin. C'est plutôt important d'avoir des bons pneus sur l'avant, parce que bah, c'est là où la traction se fait. Et sur l'arrière, mettez de la merde en général. Mettez des pneus chinois à 40 balles. Ça fera l'affaire. Puis de toute façon, si vous avez des bons pneus à l'avant, c'est bon. Parce que voilà quoi. Alors que sur les propulsions et sur les 4 roues motrices, un peu moins pour les 4 roues motrices, mais genre, pour les propulsions, c'est assez important d'avoir des bons pneus sur les 4 roues. Un, pour faire bien passer les puissances, et deux, parce qu'il faut, il faut gripper sur l'avant pour pouvoir avoir de la mobilité, pas de la mobilité, mais il faut pouvoir que le train avant et que la direction cherche le pavé, parce que si vous êtes vous avez des pneus super bons à l'arrière, bah, vous allez aller très vite en ligne droite. Mais si vous avez des pneus de merde à l'avant, bah, putain, vous n'allez pas avancer bien. Et au premier virage, vous allez vous mettre dans le rein. C'est un peu... Vous allez finir tout droit. Pour les 4 roues pour les 4x4, c'est un peu moins important parce que de toute façon, vous avez de la traction sur l'avant. Et en général, les 4 roues motrices d'aujourd'hui sont pas des 4x4 à 50-50% de distribution. Sauf certaines marques comme Subaru et les nouvelles 4 roues motrices adaptatives de chez BMW et Mercedes. Vous êtes en général à une répartition qui est un minimum 60% à l'avant. Donc c'est-à-dire que vous avez 60% de la puissance qui va aller à l'avant. Donc vous avez vous mettez juste des bons pneus à l'avant et puis voilà, ou même vous mettez 4 pneus chinois de merde, c'est pas grave parce que tout ça, c'est 4 roues motrices et bah, forcément vous avez deux fois plus de chances de choper de l'adhérence quoi. Et même si vous avez de l'adhérence sur les pneus arrière, que de l'adhérence sur les pneus arrière, c'est pas très grave en fait. Parce que jamais deux roues sur le même essieu peuvent faire un aquaplaning. Alors c'est pas totalement vrai, mais en fait il y aura toujours une roue qui aura plus d'adhérence. Et si une roue arrière pousse, elle peut aller entraîner celle de devant chercher de l'adhérence. Donc on n'est vraiment pas sur un problème trop d'adhérence sur les 4 roues motrices. Surtout que maintenant avec les systèmes électroniques, c'est vraiment génial ce qui se passe. Voilà. J'ai pas toutes ces technologies, je vous en parle parce que c'est beaucoup de théorie. Et parce que ça me fait kiffer aussi, parce que j'ai rien d'autre à dire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Je vais retourner écouter ma musique et conduire un peu. Et j'espère que la vidéo vous plaira, si jamais elle sort, si jamais vous la voyez. Et si jamais vous pouvez m'apporter des réponses aussi, je vous espère. Donc voilà, petit profil 3/4 arrière pour finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu cette petite vidéo et que vous pourrez m'éclairer sur les quelques questions que j'ai. Et je vous souhaite une très bonne journée tout simplement.